Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fraggy. Aujourd'hui on est sur Empyrion, j'espère que Fraguette n'est pas mort entre temps. Et écoutez, on va aller voir tout de suite où elle en est. Allez, on fonce. Bah voilà les petits loulous, on est de retour. Je répare un peu ma cookie parce que là, rien que ça pour l'instant, donc on va pas le perdre sans raison. Déjà il manque un bout là, comme vous pouvez voir, là, le cœur il est juste là. Donc je vais remettre du blindage. Ce qui serait bien, c'est que je puisse sortir l'autre rapidement, ça serait bien. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, on va récupérer déjà tous nos petits loot, là. Donc là, on a quoi faire, là, je peux vous le garantir. Ça, c'était une bonne... c'était tendu, quand même, mais c'était une bonne action. C'était quand même un bon truc. Donc ça, on va le mettre là. Je sais pas si on peut faire de la bouffe avec ça. Ça. On peut faire du fromage, de la bouffe. Alors, combien on a de bouffe? 17. C'est bon ça. C'est bon ça, les amis, c'est bon. Ça va le foutre au frigo. On commence à avoir un bon petit stock de bouffe, je suis content. Là, on a des crédits. Pour nos futures courses au shop. Ça, je le fous aussi. Ça, je peux le mettre là. Parce que moi, là, je me passe ça. Là, des minocs, ok, on est d'accord, là c'est bon, ça on va foutre ça là-dedans. Ça aussi d'ailleurs, pour l'instant. Ça. On va mettre des ressources là-dedans, ça c'était mine, ça c'était planche. Là on a une super fusil laser amélioré, mais on n'a pas de munitions avec pour l'instant. Ah si, cellule du fusil laser. Oh, on va le laisser là, ça sert à rien pour les... Ça va être pour les batailles intéressantes, les amis, ça va être pour les batailles intéressantes. Donc là, nous avons ça. On va finir d'huiler ce petit vaisseau. Donc la bouffe, c'est bon, on va pouvoir couper le jus. Là, on a tout ça d'intéressant, on va pouvoir modifier notre armure. On serait bien qu'on en rechope une nouvelle, mais faut ça pour aller... choper, c'est abîmé hein, comme vous pouvez voir. Choper notre armure, mais faut qu'on puisse ce serait bien de pouvoir la réparer. Donc on a ces modules là pour mettre dans l'armure pour la médium, enfin la faible, celle que j'ai. On a que deux emplacements, les toutes grosses on a quatre. Donc là on n'a rien contre le froid, ça c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas un truc pour le froid, mais bon, c'est pas grave. Alors ça, on va balancer là-dedans, ça aussi, ça. Du cristaux, oh là 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 là, ça c'est du bon ça. Du cobalt, et là on a un truc super important, le noyau d'automineur. Noyau d'automineur pour faire des automineurs, ça vaut de l'or. Et manifestement j'ai des noyaux, donc je devrais peut-être pouvoir faire un auto-mineur si j'en ai un ou deux de débloqués. Mais manifestement ils sont où les auto-mineurs? Les auto-mineurs on doit pouvoir en faire. Peut-être que ces auto-mineurs là ne sont pas... On peut pas les faire dans ce grand constructeur, il nous faut le constructeur avancé. Je ne vois pas d'automineur. Écoute, ça j'en ai besoin, faut que j'en fasse deux. Je ne vois pas d'automineur, ils sont où les automineurs? Est-ce qu'ils auraient changé de place? Non. Les armements... Non plus. Automineur... Je vais descendre par là. Je crois manifestement qu'on ne peut pas les faire parce qu'on n'a pas le bon, on n'a pas le bon constructeur. Donc pour faire un constructeur avancé, celui-ci il nous manque quoi? Il nous manque un paquet de trucs. Et du coup, bah le j'en ai. Bobine d'énergie, les organium et toutes ces conneries. Il nous faut en gros. Donc l'automineur tout de suite ça va pas être possible. On ne peut pas avoir notre automineur. Là tout de suite, bah tant pis, écoute, c'est pas grave, on va pas pleurer. Hein. Pourquoi j'ai si peu de ressources? J'ai pas assez de ressources pour faire tout ça. Ah mais il manque de la ferraille, il manque du fer, il manque du
Bon, c'est pas grave, on va pas pleurer, hein, on va pas pleurer. Là, on a deux, trois trucs, ok. Là, je vais lancer un peu de ressources, donc ça. Ça. Ça aussi. Ça, c'est de la thune. Et puis, bah voilà, hein, les amis. Bah voilà, on a pas mal travaillé quand même. On a récupéré quand même pas mal de trucs. Y compris 5 recharges de foreuse, c'est bon ça. Moi j'aurais aimé avoir un automineur, ça aurait été intéressant. Je vais le foutre par là, paf. Énergie, 40%, nickel. On va aller voir si j'ai du blé. Là tout de suite. J'ai du blé. Je peux pas le récolter encore, bon, d'accord. Ah, il nous manque du fer, hein. Partiellement, il nous manque quand même pas mal de fer pour l'instant. J'aurais aimé faire mon super transporteur, super truc vert, mais je n'ai pas les ressources qu'il faut pour l'avoir. Mon petit vaisseau d'attaque blindé, celui-ci là. Il manque, j'ai pas tout ça, du zirconium, tout ça, j'ai rien de tout ça. Il aurait fallu que je démantèle là-bas l'autre vaisseau, mais là ça prend du temps. On pourra aller faire une autre base. Pour aller se faire une autre base comme la celle qu'on a venu découvrir, l'abandonnée base drone base. Attends, je vais prendre, je vais manger. Pour aller se faire l'abandonnée drone base, je crois qu'on va faire ça parce que on a vraiment manque de ressources là, ça va pas, j'ai pas de fer, j'ai pas ce qu'il faut. Il nous faudrait un peu de ressources, on n'en a pas assez là, pourtant un gros constructeur, mais manifestement on n'a pas assez. Donc là il me faut des munitions. On va même prendre ce fusil là, mais on va le laisser là parce que ça sert, c'est denrées rares, donc balles des fusils je vais reprendre. On a pas beaucoup de balles de fusil, je vais prendre, ouais, je vais prendre ça, je peux le remettre dans la bécane, ça je vais le remettre là-dedans. Ouais, il manque des bouts, hein. Mais dit les lasers ça fait sévèrement mal, hein. Ça je peux remplir, ça je peux pas remplir, ça je peux remplir. Carbu ça suffira nettement, certainement. Je vais reprendre tout mon matos. Alors qu'est-ce que j'ai là? Donc j'ai ça. J'ai ça. Ça je peux le laisser. Ça je peux le laisser là. Des gaz aussi. Ça je le garde, c'est toujours intéressant. J'en ai 50, donc ça va le faire. Balle de fusil, ok. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. La bouffe 10. Peut-être prendre des 2-3 trucs intéressants du style des pommades, là. Tac. Pilule énergisante, non. Pilule pour l'estomac, non. Antibiotiques, ça. Ça. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Ah bon, ça va être le même problème, on va se retrouver encore bloqué avec des inventaires là-dessus. On va se retrouver bloqué avec des inventaires. C'est agaçant ça. Beaucoup de pertes de place, là je pourrais mettre encore un inventaire, je vais m'en mettre là. On fera déjà un double, puis au pire on ira chercher une deuxième fois le stuff. Stuff là-bas dedans. Mais là il y a un truc qui gêne, c'est la petite bordure qui est juste là. Voilà.
petite bordure qui est juste là. Ah, si je cache, je peux plus atteindre le frigo. Ah, c'est le multi-saut quoi. Bon, on va revérifier le matos avant de partir. Alors ça, c'est un petit bloc que je viens de faire. Je viens de monter du vaisseau. Comme vous pouvez voir, c'est des blocs d'acier tout simple. C'est pas bloc blindé. Ça, c'est les lunettes thermiques. Ça, c'est les balles. Bah écoutez, on est départ, on va pas perdre de temps. On va mettre la propulsion, on va cibler notre cible. Donc notre cible, elle est... Ouh, par là-bas. Abandonner trop de base, celle-ci on va... On va s'en occuper d'abord. Là, il y a de la ressource, là. Oh. Là, il y a de la ressource. Allez, on est parti. 6 km. Ah, il manque des bouts. Il manque des bouts. Hein. Il faut vraiment que je rechope des ressources pour faire le blindé parce que. Puis le remodifier aussi rapidement. Parce que celui-là, il est vraiment trop léger pour du combat quoi. Quand vous avez vu un ou deux coups de laser, ça vous fait. Ça vous traverse là. Ça vous traverse de part en part la coque. Donc, on y va tout de suite. On se retrouve devant la porte. Allez. Et bah, nous y voilà, mes petits loups. Nous y voilà. Donc, on est armé, on est chargé. Je connais quand même. J'ai la modestie de connaître ce genre de base. Enfin, je sais pas la première fois que j'en attaque. Donc, je sais exactement où est le cœur du vaisseau. Là-bas, j'ai une tourelle, mais j'ai pas besoin de la buter. Ça me fera des ressources en plus. Donc on va dégommer tout ça rapidement. Donc je récupère pas ce qu'il y a dans les inventaires parce que ça sert à rien. Je vais récupérer plus tard. Ça le coup de scorpion de merde. Ça c'est le truc que j'aurai le plus au monde. Celui-là c'est les pires bestioles qu'il puisse y avoir dans le jeu, décidément. Oups, la tourelle va me tirer dessus. Il y a un raptor qui s'énerve, je sais pas où, mais c'est pas grave, on va pas s'en occuper. Donc, on va récupérer quand même ce qu'il y a dans les bestioles. Toujours de la bouffe. Bon, je crois que je vais être obligé d'aller faire le raptor parce qu'il va être queené jusqu'à ce soir. Voilà. Là, le truc là-bas, c'est joli, hein, franchement, c'est joli. Alors, les ressources, on va les laisser tous, on va tout laisser dans les chests, on va tout démonter. On récupérera tout ça après, parce qu'on va pas avoir assez de... On va faire des allers-retours, c'est pas utile. On va aller jusqu'au cœur. Par contre, ça, j'étais pas au courant qu'il y avait ça, là. C'est vrai que je viens pas souvent par le milieu, hein. Je viens rarement par là, je me pose toujours à l'extérieur généralement. Saloperie de bestiole, elle tourne, c'est chiant. Ah bien sûr, il y a la tourelle. Ça a mal fini hier. C'est tout les sales bêtes. J'arrive jamais par ici, je me pose jamais cet endroit là. Pour ça là je me suis fait piger parce que là franchement je savais pas qu'il y avait un truc. Bon après les spawners cachés sont souvent derrière ces grilles là. S'il y en a un, il y en a qu'un, on est d'accord. Je vais foutre ça dedans. Tac.
changement. Voilà. Et on continue. Donc là, il y a des trucs hein, dans tous ces trucs, mais on va pas les prendre. Là, généralement, il y a rien. Soit descendu, je vais me le faire parce que j'ai pas envie qu'il me tombe sur la gueule plus tard. Voilà, ça mérite d'être clair. Il y a du loot, hein. Ça, on se dit pas, on se pose pas la question, il y en a. On va laisser. Ça c'est bon. Recharger ça correctement. Ah, il y en a un. Là, il y a une tourelle. On est ok. On descend par là. On arrive au petit labo. Il n'y a rien, il n'y a aucun spawner. Par contre, là, attends, il y a des trucs super intéressants. Mais ok, on a de la bouffe, tout ça. Pas une base de drone en fait, les amis, je me suis trompé. C'est une base de carbu peut-être, peut-être un truc dans le genre, mais en plus c'est bien, il pleut, ça rafraîchit un peu l'atmosphère. Le troisième scorpion de sa race, voilà, là. Donc là, au-dessus, il n'y a rien, là il y a de la mune, on est d'accord, c'est nickel chrome. Là, on a une porte. Là, on en a un là, je crois aussi. Non. Là, par contre. Pas perdre trop de temps. Là, il y a une tourelle. Dans le doute, vous tirez dans le truc et puis c'est tout. Hein. Là, il y a le générateur, là il y aura rien d'autre. Ok. Merde, ça y est, je suis déjà mort. Toi, oh, tu as morflé, ça fait. Si je crève, tu vas crever aussi, saloperie. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là en haut? Est-ce qu'il y a quelque chose là en haut? Non. Là, on a du loot intéressant. Là, on retombe logiquement. Notre truc là, ok, maintenant on va aller directement vers le cœur. Ça, on est vraiment plus très loin. Allez, monsieur qui c'est qui est dehors.
On arrive là. Oh, là, il y a de la tourelle, bien entendu. Là, du spooner à bestiole. T'es mort. Les pièges à con là dans cet endroit là. Voilà, des pièges à con comme celui-ci. Notre vie, elle en est où? Ah, ça, alors là, faut quand même charger corps, excusez-moi. On charge tous nos pétards avant de partir. Là, je vous dis, il y a du loot, il y a des trucs intéressants. Là. Là, c'est bon. On est départ, on n'est pas départ. Allez, on est départ. On va aller direct au noyau, on va pas perdre de temps. Hop là! En tout cas, les bestioles, elles ne penseront pas. Donc on va te faire péter ça. Voilà, terminé, il n'y a plus d'énergie, on est ok. Et maintenant il ne reste plus que les bestioles. Bon, je suis infecté, sale bête. Je vais crever de toute façon. Mais vous allez passer aussi dans mes saloperies. Bien que non, les spawners de toute façon ne marcheront plus. Mais ce qui serait bien, c'est que je puisse voilà, un petit troupeau là. Là, ils viennent de juste de là d'en haut, mais ceux-là ils bougeront pas. Je vois même pas quoi ils sont morts, ces salopes. Bon, avant de crever, on va faire ça. Voilà, et ok, ce coup-ci on est bon. Alors maintenant on va se repasser jusqu'en haut. Parce qu'on va crever de toute façon. Absolument les amis, que je trouve un de ces trucs V2. Il y en a un certainement dans cette base, il me semble. Même si on ne peut pas le crafter encore parce qu'on n'a peut-être pas la machine au niveau, peu importe. Si vous pouvez le looter, on le looter et il marche.
Quand tu vous le pétez, bah voilà, on va attendre de pouvoir en retrouver un autre ou de vous le crafter quand même. Mais pour l'instant, on va se faire des trous dans la... un petit chemin. Et on va partir d'en haut, on va redescendre. Je vais prendre tous les chests. C'est là où j'étais, c'était un piège, donc on peut plus remonter généralement. Là je suis à ras la base. Donc on va tout vider ça dans l'inventaire de notre vaisseau. Et on va descendre au fur et à mesure. On va démonter tout ce qui est intéressant. Je vais laisser tout, quasiment sauf une arme. Un peu de mine. Ça prend une place donc ça changera pas grand chose. Une arme de la mune et puis mon truc pour démonter, mais entendez là, j'étais super intelligent parce que j'ai fini dehors. Donc on va faire un petit passage là. Donc je suis toujours infecté, parasite cutané. Je crois que je vais pouvoir me soigner. J'ai des trucs dans le vaisseau. Là mon loulou, les trucs dans le vaisseau pour moi, ça, pommade, c'est pas mal, mais je crois qu'on va pas avoir ce qu'il faut. Non, c'est pas ça. Pilule antibiotique, ouais, c'est pas le bon médoc, je pense pas. Alors, on va balancer ça dans le frigo. Ça, on va le mettre là-dedans. Ça, on va pouvoir tout balancer là-dedans. Ça, la bouffe là, tac. Ça, j'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin. Ça non, ça non, ça non. On garde celui-ci. Des recharges, on en a. Ok. Ça, je vire. J'ai vu que j'ai oublié une ressource. Et puis, on va tout démonter ça. Alors, on va déjà aller là-bas. Ça, ça fait de la ressource. Les tourelles, c'est pour ça que je les ai laissées entières. Donc là, on a déjà pas mal de choses. Ça donne une plaque d'acier, c'est nickel. On a des réservoirs d'eau 2. Il pleut bien, c'est cool, ça rafraîchit, c'est vraiment ce qu'on a besoin ici. Il fait quand même passablement chaud. Donc là on est pas mal, on va démanteler le haut. Donc tout ce qu'on va pouvoir démanteler, on le démonte. Donc là on est bien sur l'option démontage. Donc il y a des trucs qui va nous laisser en pièces. Qui va nous laisser en loot. En comment dire, je m'excuse, pas en loot, en ressources. Puis il y aura des trucs qui vont laisser en... qui va laisser en... qui va laisser en item, l'item pur, en bloc, et puis des trucs, ça sera looté complet, et puis des trucs, ça sera looté en ressources. Donc on va démonter tout ça. Putain, j'aime bien ces trucs là, c'est pas quoi ça sert, je les prends à chaque fois dans ces bases, chaque fois je les prends, les gens m'en servent strictement rien, strictement pas, c'est les... le xénobloc, je sais pas quoi. Le xénobloc. Une fois c'est pas un xénobloc, puis c'est pas des xénoblocs. Donc le vert, je suis très friand du vert. Ça c'est pour l'espace, c'est nickel. Ça c'est pour courir aussi, ça c'est une option nickel pour le scaphandre. Tac. Un peu de ferraille parce que comme vous avez vu dans mon constructeur, j'ai pas beaucoup de ferraille pour faire mes items, mes blocs et tout ça pour pouvoir crafter. Donc là il y a encore de la vitre, on va démonter les vitres, on a vraiment tout ce qui est important. Voilà, ferraille,
On verra plus tard. De toute façon, la base ne despawnera pas non plus, même quasiment démontée, quoi. Boum, ça tombe. On va aller voir ce chest là, est-ce que j'ai déjà le prendre ou pas? Non. Et que je suis près de mon vaisseau. On va le mettre. Balancer tout ça là-dedans. Hein. Ça, ça. Oh, ça c'est de l'alimentaire, je peux le foutre là-dedans. Ça. De toute façon, le frigo peut servir aussi de stock, hein. Il n'y a pas de problème. On va démonter, on continue de démonter tout ça. On va prendre le chemin par où on rentre. Pas sûr que le verre il démonte tout et qu'il nous redonne exactement les ressources comme on le voudrait. Mais bon. Ah putain, je fais de la merde là. Oui, je vais pas m'amuser à sautiller toute la matinée. Ça c'est de la ferraille uniquement. Écoutez, je vais pas vous faire perdre trop de temps pour voir la loot que je me serais fait. Donc les petits loulous, je démonte les trucs principaux ici. Et puis dès que j'ai fini, je retourne à ma base et on regarde ce qu'on a chopé. Allez, à toutes. Et ben voilà les amis, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres qui sont certainement en ligne ou qui vont venir. Et en attendant, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à partager surtout. Et écoutez, faites pas les fous. Et puis tchou, salut.